musique là-dedans. J'ai allumé mon micro au mode. Oui. Chasseur de mouches, salut. Salut Wida et Popcorn. Comme on s'est bien fait chier sur Castle Story hier, aujourd'hui on va jouer à des trucs qui bougent un peu plus. À jouer le ninja. Écoute, ça va super, j'ai le bras complètement défoncé. J'aime pas ce perso parce que quand il tire, ça le fait reculer et je me fais toujours arnaquer et tomber dans le trou à cause de ça. Je sais pas pourquoi je l'ai pris, j'aurais dû prendre le ninja. En plus il a le double jump, ce qui est quand même franchement utile. Ouais, c'est clair, je suis carrément d'accord. Oui, là, putain, faut que j'arrête de lire le chat. Le double jump, ça me sauve juste la vie, surtout que j'ai une tendance pathologique à faire des jumps de merde dans tous les jeux de plateforme. Donc le double saut, c'est un peu la vie. D'ailleurs, de tous les persos que j'ai débloqués pour l'instant, voilà, là, si j'avais eu le double saut, je serais pas mort, par exemple. Je vais prendre le ninja. Même s'il fait moins mal. J'ai essayé les autres persos, là. Et je le trouve sans intérêt, parce que tirer des deux côtés, je vois pas vraiment à quoi ça sert. Lui, il a pas assez de portée. Lui, il est vraiment beaucoup trop lent. Lui aussi. J'ai pas les deux autres. Mais... Salut, Chino. Ouais, le double jump, quoi, merde. Oula, je crois que j'ai un léger problème de calibrage avec ma manette Xbox. Ce qui est toujours un souci avec les jeux Adult Swim, qui reconnaissent la manette de manière assez étrange. C'est pas grave, on va faire avec. C'est pas comme si j'avais le potentiel de faire un high-score de toute façon. Bah franchement, déjà il est super rapide et puis le double jump, c'est juste la vie, quoi. J'ai pu me tuer avec ce putain de détonateur aussi. Moi, tu me mets un détonateur, je saute dessus. Ça me paraît logique. L'explosif. Ouais, sympa. Oh putain, je fais vraiment de la merde. Je fais vraiment de la daube. C'est bien, à chaque coup que j'appuie sur X, là, ça me lance dans le bras, c'est super agréable. Les Valupes! Ils sont vraiment sympas leurs jeux, Adult Swing Game. Oh, c'est très pas malin, ça. Tous les jeux qui sortent sont plutôt cool. À chaque coup, il y a des problèmes avec la reconnaissance de la manette, ce qui est un peu relou. Les jeux eux-mêmes sont vraiment cool. Idiot. Oula, je vais faire exploser un détonateur.
Bon, il m'agace à mettre autant de bleu là. J'aimerais bien qu'il y ait un peu de vert par-dessus aussi. Ouais, j'ai définitivement un léger problème avec la maladie du box. On va faire avec. Jazzy. Ah, ça c'est parfait. Et il marchait sur le détonateur encore. Ma passion pour les explosifs me perdra. Je suis plutôt content d'avoir réactivé la musique parce qu'elle est plutôt cool en fait. Non ? Oui. C'est malin ça. Ça c'est encore plus malin. Trop tard. Oh, je m'approche du level 4 qui est généralement le level à partir duquel je commence à me buter tout seul. Parce que mes projectiles font beaucoup trop mal. Un peu de rose là, ce sera cool. Ouais, bah tant pis. Hein. Ouais. On peut faire un peu de nettoyage sur le côté. Hein. Je l'avais vu venir en plus. Ah, ça, c'était pas très malin. Je vais me manger un projectile dans la gueule. Allez, on nettoie un peu le bleu, là. En fait, c'est pas vraiment une question de skill. Pour vraiment réussir dans ce jeu, faut comprendre qu'il faut pas rusher, en fait. Au début, quand j'ai commencé à y jouer, j'allais à toute vitesse, à sauter dans tous les sens, à niquer toutes les plateformes, mais... En fait, une fois que t'as compris qu'il faut vraiment pas... vraiment prendre ton temps, ça devient nettement plus gérable. Faut avouer que le double jump du ninja m'a aussi pas mal facilité la vie parce qu'avec le type à la cape je crevais quand même largement plus souvent. Ok, level 4, c'est là que les ennuis commencent. À partir du level 4, tu fais tellement mal que tu flingues certains blocs d'un seul coup. Et ouais, voilà, Widar, faut toujours s'efforcer de laisser au moins une plateforme en bas parce que. Au nombre de fois où je me suis jeté dans le vide comme un abruti en détruisant la plateforme qui était sous mes pieds. Je les ai pas comptés mais il y en avait des masses. Écoute, si tu les fais tous tomber au même endroit, ça m'arrange. Ça m'arrange pas par contre. J'ai pris cher. Ça devrait me faire quelques petits cristaux. Cool, une étoile qui me sert à rien, génial. On va essayer de pas trop se faire aplatir cette fois-ci. C'est là aussi que le ninja est super utile parce que non seulement il a le double saut, mais en plus il est vachement plus rapide que les autres. Je pense qu'il est un peu cheaté même pour être. Pour être tout à fait honnête. Parce qu'il a même plus de facilité que les autres à choper les étoiles. À part peut-être le mec au jetpack. Le mec au jetpack, il est tellement lent, putain. Que la puissance de son saut est finalement pas si intéressante. Ouais, là j'ai un gros potentiel d'élimination des trucs roses. Tout cool. Pas mal de bleu aussi. Là. Je vais me faire aplatir la gueule. Ouais, voilà.
C'était qu'une question de temps. Ouais. On range pas les masses, tout ça. Voilà, qui est mieux. Oh fuck. Donc voilà, comme disait Widar, faut toujours laisser un lit de cube en bas, sinon tu finis comme ce que je viens de faire, une grosse merde aplatie. Merde, j'ai repris le même niveau. On va faire un deuxième niveau, puis après je changerai de jeu un peu. J'ai envie de jouer à plusieurs jeux aujourd'hui, alors on va jouer à plusieurs jeux. Surtout que j'ai tellement mal au bras là. Ah putain, je l'aime pas celui-là, c'est celui avec les 6 sauteuses. Mais... je vais pas tester le mode multi, je me demande ce qu'il a un peu donné. Mais franchement, j'étais vachement surpris de la qualité du jeu, quoi. Parce que ça fait un bout de temps que je l'avais vu sur Steam, et ça ressemblait à n'importe quel puzzle game à la con, et finalement, je dois avouer que je le trouve quand même plutôt cool. Bon, par contre, le problème du ninja, c'est que le premier tir que t'as, c'est vraiment de la daube. Et ça c'est pour ma gueule parce que je suis idiot. On va essayer d'éviter de mourir au bout de 3 secondes quand même. J'ai une étoile. Ah, je les déteste ces putains de signes. C'est surtout celle-là que j'aime pas. Qui va sur le côté, là, elle est vraiment quasiment. What the... Pas passer loin celui-là. Je vais me le prendre sur la gueule. Ouais, c'est très malin ça, casse la plateforme des sous tes pieds, mec. Ok. Un peu risqué ça quand même, j'aime pas trop avoir un gros trou comme ça. Pour le coup, le ressort quand tu joues le ninja, il est pas franchement utile. Aussi, même si j'ai pas encore eu le temps de manger, personne. Ça ne saurait tarder. Putain, je l'avais jamais vu ce truc là, c'est quoi? Bordel! C'est une invention d'un méchant James Bond ou quoi? Aïe! Oh! Alors! Tombe pas très vite là, je sais pas pourquoi. Merde, malgré les deux cubes qu'il fallait pas que je fasse. Et puis vous m'arrangez pas la vie, à toi encore moins. Ouais, il est vraiment pas cher en plus, hein. Il est vraiment, vraiment sympa comme jeu. Bon après faut aimer les jeux du genre, mais... je trouve que le mélange... oh, c'est très con ce que je viens de faire. Le mélange plateforme... plateforme action et puzzle est plutôt cool, quoi. Oula.
toi tu m'arranges, toi tu m'arranges pas par contre. Merde, j'aurais dû attendre que celui-là tombe même. Oh, ça c'est pas malin ça. Pas malin du tout même. Parce qu'il m'est arrivé. Boum. Oh là, ça va me le prendre sur la gueule. Ah, c'est très 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 vidéo ce que je viens de faire. Ah. Ouais. Genre de truc avec le mec au jetpack, c'est juste du suicide quoi. Et la gueule. Ok. Je veux du bleu, moi, là-haut. Oula. On a ces toutes les petites cristaux. Oula, arrête de faire l'idiot, s'il te plaît. Olé. Vous avez vu la peur dans mes yeux, l'approche de la scie. Malheureusement. Bah, c'est mon meilleur score sur ce niveau, dis donc. En même temps, c'est pas comme si mes scores étaient très impressionnants, mais... Bon, je pense qu'on a bien présenté le concept du jeu. On a testé le nouveau Pac-Man, on m'en a dit beaucoup de bien. J'espère qu'il...